Bonjour et bienvenue sur Gameloc.fr, je suis encore à l'E3 2014 avec Julien et avec Guigui. Là je viens d'essayer Little Big Planet 3 qui a été présenté hier pendant la conférence de Sony. Little Big Planet 3 développé par Sumo qui s'occupe d'un autre jeu pour le compte de Microsoft, ce qui est toujours amusant. Little Big Planet 3, c'est un jeu essentiellement multijoueur, vous l'avez vu pendant la conférence. Il y aura 4 personnages différents, 3 personnages en plus de Sackboy qui lui va se balader avec un petit sèche-cheveux cette fois. Et bien il y a 3 autres personnages à découvrir. Il va y avoir d'abord Hotsock, qui est un animal à 4 pattes qui peut rebondir sur les murs. Il va y avoir Toggle, une bestiole assez incroyable qui peut devenir petite ou grosse, et ça joue énormément sur beaucoup de puzzles. Il y a une démo complète en plus de la démo que nous avons vue hier et à laquelle nous avons pu jouer, la démo donc de la conférence Sony. Toggle donc qui peut devenir petit ou gros. Et donc il y a aussi la poussée d'Archimède qui joue sur ça quand on est petit ou gros, vous allez voir, c'est assez rigolo. Il va y avoir des énigmes vraiment sympas. Et le dernier personnage, eh bien c'est Swoop, qui est un petit piaf qui vole et qui peut attraper ses copains en même temps. Et donc les 4 en même temps, ça a fait des tas de possibilités pour avancer dans les différents niveaux de Little Big Planet 3. Pour ce que j'ai essayé, la démo de la conférence, la démo avec Toggle, c'était à chaque fois extraordinaire. Le jeu est toujours aussi beau. C'est beaucoup plus... c'est beaucoup plus responsive, comme on dit en anglais, donc ça répond mieux au niveau des commandes. L'inertie est un peu différente des épisodes précédents. C'est toujours aussi agréable, toujours aussi drôle, évidemment. C'est du Little Big Planet. Je rappelle que le jeu sort sur PlayStation 4 en novembre 2014 et que cette démo était tout simplement très concluante. On attend de voir maintenant ce que ça donnera au niveau de la construction des niveaux, au niveau du jeu en ligne, tout ce qui sera possible de faire. Mais en attendant, ces premières impressions sur Little Big Planet 3 sont excellentes. Voilà, on se retrouve très vite sur Gameblog pour d'autres impressions dans l'E3 2014. N'oubliez pas le hashtag E3 Gameblog. Et puis à très vite. Ciao.